auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue pour un nouveau émission. Aujourd'hui, nous accueillons Pierrette Bédache qui vient présenter à nous et parler à nous un petit peu d'émission de l'association Femmes Solidaires. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de qui ça s'est-il, quoi ça s'est-il fait à Femmes Solidaires? Alors, l'association Femmes Solidaires accompagne bonnes femmes victimes de violences conjugales. Il dit pas forcément bonne femme battue parce qu'il n'a pas que les femmes battues, il y a des violences psychologiques, physiques, sexuelles et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, c'est pour ça que c'est les violences conjugales qui se passent vraiment entre conjoints. Voilà, donc du coup, nous les basés sur l'Est. Et nous peut aussi intervenir dans toute l'île parce que au début en 2004 quand l'association a été créée, les femmes de Saint-André ne viennent pas comme c'est un sujet assez compliqué pour en parler, donc elles avaient peur d'être stigmatisées. Donc c'est des femmes d'ailleurs qui appelaient l'association. Donc du coup, c'est pour ça que nous intervient sur toute l'île. Et moi, Mélie est plutôt la référente sur le sud et l'ouest. Donc du coup, après, il y a une autre collègue, Cathy Rigaud, qui fait le nord et l'est. Et la présidente, Madame Poncé Odette, qui est bénévole et qui est aussi présente dans tous les secteurs pour renforcer un petit peu l'équipe. Voilà. Donc nous les vraiment sur un accompagnement de proximité, nous les sur le terrain. Ça veut dire que nous, ça va quand les dames y appellent à nous, soit par les différents partenaires, les centres sociaux, de la gendarmerie, les médecins traitants ou bien la famille peut appeler. Donc nous prenons un premier contact avec cette dame-là, un premier entretien, n'importe quel endroit elle y veut. Et après, nous propose aussi des endroits que nous avons des conventions avec la mairie de Saint-Louis, mairie de Saint-Paul, voilà. Donc, du coup, nous avons des petits bureaux qu'ils mettent à notre disposition. Maison pour tous de Savannah, maison de la santé à La Saline, et ici à Saint-Louis, c'est LCA de Saint-Louis, ou sinon à Palissade. Voilà. Donc, du coup, après, nous fait un petit premier contact avec cette personne-là, nous rencontre à l'île, et puis nous voit comment, qu'on s'allait attendre de nous, et que s'il y a des procédures déjà entamées, ou s'il y a une convocation, et là, nous fait avec, et puis, du coup, nous l'est vraiment avec elle, dans ses démarches, nous, ça va chez l'avocat, nous fait un placement au foyer, si besoin. Parce que faut dire que s'il arrive 22h le soir, un petit problème comme ça, il appelle la gendarmerie après il peut appeler l'association, nous peut être présent pour faire l'acheminement vers les centres foyers, centres d'hébergement. Des fois il appelle un taxi, mais comme la personne est un peu compliquée pour elle déjà d'en parler de sa situation, aller avec un étranger, etc. Donc il fait confiance à l'association. Donc nous, ça va faire les placements dans les foyers. Il peut sortir bras panon et ni dans un foyer sur Bois d'Olive. Donc là, nous sommes vraiment là dans le soutien psychologique avec cette personne-là et puis après garder contact avec elle pour la suite des procédures. Voilà. Alors comme on l'a dit à moi, des fois, elle est un petit peu dure pour bonne forme d'en parler de situations par rapport à ça. Est-ce que par rapport depuis le temps, cette association elle a été créée à La Réunion, est-ce que vous voyez qu'il y a un petit changement à ce milieu-là? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est un petit peu moins tabou? Oui, il est un peu moins tabou parce que du coup, les femmes y osent causer maintenant. Les femmes, même là, mais sortent sur Savannah, dans une situation, dans une jeune fille de 23 ans, ils viennent dénoncer que voilà, donc il y a eu un viol dans la famille. Donc, à force de faire, moi, mes penses, des petites interventions dans les quartiers, des préventions dans les lycées, les écoles, etc., ils commencent à porter un petit peu ses fruits et les femmes, ils voient aussi qu'elles en ont des droits. Donc, quand on nous fait la journée du 8 mars, on nous parle bien la journée des droits pour le droit des femmes, pas la journée de la femme où ça fait bichonao, etc. C'est vraiment pour remettre les droits que les femmes l'ont acquis depuis avant jusqu'à nos jours. Donc du coup, ils voient que ont des droits, ils voient que ont les plus tolérables tout ce que ils subissent. Donc à force d'en parler ou de trouver un espace, une petite association, maintenant il fait la Zumba, il fait plein de trucs. Donc du coup, c'est des espaces qu'ils proposent aux autres pour avoir d'autres personnes pour que la parole est libérée. Alors, quand on dit avoir des droits, pour les femmes, écoute à nous, comme ça, vous voulez dire par des droits? Le droit déjà d'être respectée en tant que femme, le droit d'aller travailler, déjà, n'est pas donné à tout le monde, le droit d'aller faire un sport, c'est parce que Femmes Solidaires est un petit partenariat avec une association du Sud qui s'appelle Femmes en l'air. Que pas si ça t'y connaît, donc il faudra peut-être inviter Azote un jour pour discuter un petit peu de ça. C'est des femmes de la rivière Saint-Louis la rivière Saint-Louis, que l'a créé cette petite association-là pour participer aux courses du Grand Raid.
Et aussi proposer à des femmes qui veulent faire un petit peu de sport pour sortir de chez autres, pour dire que le grand raid, mais il est pas que des élites, qu'il est pas donné, voilà. Et une femme qui a des enfants, qui a envie de faire un petit peu de sport, mais il peut participer un jour à une course des grands raids. Donc, du coup, nous est dans cette optique-là. Ramener les femmes à sortir de chez elles, participer à un sport, pouvoir parler à d'autres personnes et pouvoir parler aussi des sujets, tout ce qui se passe à la maison pour pouvoir aider les autres, tout simplement. Parce que ça, il faut connaître que toutes les familles viennent voir nous, là, pas toute équipe de bonhommes, hein. Voilà, c'est surtout ou peut-être rechercher un peu un soutien et savoir comment comporte Azote pour des fois faire baisser un petit peu cette tension à la maison, se repositionner aussi dans son foyer, donc du coup c'est en tant que femme, et peut-être dire que vous connaissez là, il y a une dame, elle est venue voir nous, elle a dit ben non, la maladie elle est dans une association, alors il n'y a pas intérêt à bouger. Donc il freine un petit peu, donc il voilà, donc du coup c'est aussi écouter les femmes que la besoin et soutien Azote à travers des groupes de parole, des sorties que nous faisons à Mafat, des différents ateliers, camping, etc. Propose Azote un espace où Azote peut parler de Azote souffrance, voilà. Alors, où qu'il est au sein de l'association Femmes Solidaires, hein, je ne connais pas depuis combien de temps, mais est-ce que vous sentez que vous dire comment ça un petit peu moins de femmes, les moins, on va dire, stigmatisées ou battues ou autres par rapport à avant? Non, moi, je ne pense pas. Mais il pense que là, des femmes, ils parlent plus, beaucoup plus. Les femmes, ils osent maintenant aller porter plainte, parce que depuis un certain temps, là, il y a eu 1500 plaintes de déposer, voilà, sur l'année 2015, 2016 et tout ça, on est environ dans ces chiffres-là. Mais tout en sachant que Nena, ils portent pas plainte, mais qu'ils osent en parler dans un autre espace. Faut respecter ça aussi. C'est pas parce que Zoti porte pas plainte que Zoti peut pas en parler. Donc du coup la plainte c'est une étape, mais aussi faut respecter les personnes qui n'osent pas porter plainte et qui souhaitent aussi dire que il est victime, mais il veut pas être reconnu soit par la loi ou quoi que ce soit, mais il veut parler à des associations. Voilà, donc du coup les femmes y osent beaucoup plus, mais moins de femmes battues, mais ils pensent que les femmes y voient que ils sera soutenu et y osent. Voilà, le fait d'être soutenu et que la loi, du coup, depuis la loi 2010, la présence des 4 assistantes sociales dans les police et gendarmerie, voilà, dans l'Est, l'Ouest et le Nord, donc du coup, nous fait cette promotion-là, on veut dire qu'il y a des personnes qui existent, qui peuvent, que ou ça, tu peux aller causer, avec qui tu peux aller causer, et ils facilitent un petit peu, je veux dire, peut-être aller vers une plainte. Des fois, l'effet de voir le gendarme, il bloque un petit peu. L'effet qu'il y a une assistance sociale, donc tu connais, tu peux aller causer avec l'assistance sociale qui pourra des autres, soutient les autres si les autres ils veulent porter plainte ou pas. Voilà. Alors, ta association, il appelle Femmes Solidaires. Mais imagine dans un cas, par exemple, que ce soit un enfant, les victimes de violence, ou même un bonhomme. Est-ce que ça tient bien quand même? Oui, parce que du coup, par rapport aux mineurs, donc souvent, nous peut faire un signalement, on peut, voilà, mais nous va soutenir aussi le mineur, pareil, orienter aller vers les services adaptés, hein, soit un centre médico-psychologique ou tout simplement un signalement avec tous les autres partenaires. Mais pour les hommes, nous va orienter, parce que du coup, nous accueille pas, nous les dans cette optique-là, quand nous accueille les femmes victimes, donc du coup, nous va orienter l'homme vers les services nécessaires. Mais nous fera pas l'accompagnement physique avec lui. Voilà. Mais il sera orienté, il sera si il y a un juge, un avocat que lui souhaite voir, etc. Nous va proposer à lui un avocat dans son quartier, d'aller ben il a une liste et que lui peut aller voir la RAJUFA. Voilà, nous va donner à lui tous les éléments nécessaires pour que lui puisse en sorte à lui. Et voilà, fin de recevoir deux bonhommes dans mon bureau. Et voilà, donc du coup oui, nous va recevoir lui comme une femme, mais nous fera pas l'accompagnement physique. Ça y est, ça on est au courant. D'accord. Et si besoin, concernant au conseil Bana, enfin plutôt dirige les autres vers d'autres endroits, quel endroit où vous pourriez conseiller les autres là, c'est Bana Yankoutaou? Du coup, on a une association au Père de Cœur seulement que m'y connaît pour les hommes, mais du coup, bon, nous n'avons pas trop de contact avec Zot, parce que je l'ai un petit peu plus en conflit avec nous quand on est au tribunal, etc. Voilà. Mais du coup, bon, m'orientaler, par exemple, s'il a besoin d'un assistant social, m'orientaler vers l'assistant social de son secteur, m'orientaler vers la RAJUFA, vers un avocat, et puis donner aller les éléments, même s'il a des pièces qu'il y a besoin, un dossier d'aide juridictionnelle que nous va aider à les remplir. Nous l'est ouvert à toute voilà, donc du coup nous l'est pas fermé. C'est pas parce que t'appelles femme solidaire que nous machin pas les nous aide pas les hommes, nous va aider mais autrement.
Voilà. Alors, là, dis-moi que, à Femmes Solidaires, tu fais de la prévention dans les écoles, dans les lieux publics. Est-ce que tu peux expliquer à nous un petit peu comment il se passe, cette prévention? Alors, la prévention, déjà, sur Saint-Paul, mille sur le bus santé. Bus santé, c'est une petite, manifestation de prévention dans les quartiers, les écarts de Saint-Paul. Donc, du coup, là, nous, on fait une petite journée, on aura plusieurs acteurs de santé. Et, donc, nous, Femmes Solidaires, nous va participer, c'est une fois par mois. Et du coup, là, nous, ça va dans les quartiers retirés. Dernièrement, samedi, on était à Eucalyptus, là, le centre, Eucalyptus de la Saline Léo. Donc du coup là c'est un petit quartier, donc où là nous pose le bon stand, nous attendons de mon y arrive et dans des passages et puis les gens ils prennent les informations. Donc après comme les très conviviales, il y a les ateliers Zumba, après il y a des rencontres avec les associations des quartiers, création fait main, etc. Donc il y a l'échange entre les différents acteurs et c'est là nous fait passer des petits messages et les femmes ils viennent, ils proposent à nous des questions. Comme là on a une situation, on a une dame qui est séparée depuis 28 ans. Et monsieur, là, dernièrement, monsieur, un coup de folie, il vient à celle Ali pour remettre Ali avec elle. Donc elle dit non, il va finir par tuer moi. Si m'en a séparé, il connaît très bien que ça, il était capable de faire. Donc là, nous soutient la femme et là, elle revient vers nous pour un soutien, discuter, informer, pour savoir si vraiment un jour qu'il est en danger, comment il faut faire. Donc là, vraiment, c'est des petits stands de prévention dans les écarts. Après, nous l'est dans les lycées, qui peut faire appel à nous, lycée Rontenay, lycée Saint-Paul 4, pour faire des interventions devant les étudiants ou les élèves, pour justement parler des droits de la femme, parler du sexisme, parler de harcèlement à l'école, tout ce qui s'en suit, toutes les formes de violence, les différentes formes de violence. Et nous essayons de faire passer des messages. Et il y a même trois dames de notre association, là, montent une petite scénette et que nous l'a pu jouer dans un collège et que finalement nous voit que quand c'est les parents et les femmes que autres même l'a vécu ça, les élèves ils rentrent dans l'échange assez facilement parce que là c'est du concret. Donc du coup ça t'y voit et après Nena il dit oui mais ça se passe comme ça à la maison, oui ma sœur l'a subi telle chose. Donc du coup ils permettent de libérer la parole et puis nous essayons de redonner aussi une place à ces femmes victimes là et que autres après ils prennent un petit peu plus d'assurance, confiance en autres pour peut-être un autre réinsertion professionnelle ou dans une formation, tout simplement. Alors, autre que le bus santé, est-ce qu'il y a d'autres événements ou manifestations qui s'organisent à Femmes Solidaires? Déjà, nous sommes sur la journée du 8 mars. Nous les souvent avec Saint-André. Donc, du coup, là, ils proposent des activités, une randonnée pour les femmes et la famille qui veut participer. Et nous, à travers ces journées-là, pareil, nous fait passer des petits messages, notamment sur les différents droits que les femmes ont pu acquérir jusqu'à nos jours. Et sinon, le 25 novembre, journée des violences faites aux femmes. Donc du coup, soit nous l'est avec la préfecture et après nous l'est aussi dans les différents endroits, les lycées qui demandent beaucoup vers ces périodes-là, les interventions. Et après, nous essayons de bouche à oreille, passer notre petit message à travers différentes actions que soit les différentes villes y fait. Saint-Louis, nous les souvent aussi sur Saint-Louis. Et dans les villes qui peut demander à nous. Et après, nous essayons de participer, toujours en passant des messages concernant les droits des femmes. Ben ouais, justement, parlons-moi des 25 novembre, tu fais quelque chose, tu bouges, quoi. Est-ce que là, pour le 25 novembre cette année, si tu connais déjà, est-ce que tu penses déjà mettre une action en place? Nous, on est en train de travailler dessus. C'est sûr que nous, ça va mettre une action en place. Si la préfecture avait fait ces deux journées comme l'avait fait les états généraux l'année dernière, nous sera sûrement en soutien avec la préfecture et avec la mairie de Saint-André, sûrement sur une action plus dans les quartiers de Saint-André, puisque c'est un de nos plus gros financeurs, puisque le siège est à Saint-André. Donc, soit avec les écoles, comme une fois on a fait avec les lycées Jean Perrin et Sarda Garriga, une intervention à la médiathèque de Saint-André, et on a invité différents acteurs, avocats, le conseil général, le délégué droit de la femme, etc., pour un échange avec le public et les élèves, pour poser des questions. Voilà. Donc, sûrement, nous serons sur une action le 25 novembre. Alors, au niveau de projet, que ce soit sensibilisation pardon, ou autre à Femmes Solidaires, est-ce que vous êtes nana, vous êtes pour cette année ou peut-être dans l'année future? Après, les grands axes de l'association, comme on dit aussi, l'accompagnement, la prévention, et nous on a aussi le café femmes où les femmes y fait groupe de parole, musicothérapie,
Je fais la musicothérapie et après, nous fait un spectacle en général le 8 mars. Donc, c'est vraiment permettre aux femmes de oser aller jouer devant un public. Donc, n'est pas donné à tout le monde. Nous l'est aussi sur Cri de femme. C'est une, un spectacle de d'art et de musique. Donc, du coup, nous l'est là aussi, c'est pareil, permettre aux femmes de à travers le théâtre déjà de monter sur scène, de surpasser aux autres, et c'est avec notre propre mot. Le spectacle est toujours monté avec les propres mots des femmes que nous accompagnons. Voilà. Donc du coup, oui, mais je pense que après les autres actions, c'est aussi Marmaille en l'air avec les enfants victimes de l'association. Donc on accompagne les mamans, il faut prendre en charge les enfants. Donc là, nous met en place des activités avec ces enfants-là les mercredis après-midi, pendant les vacances, on nous a fait camping, on a fait la peinture, l'atelier conte, et jusqu'à la fin de l'année, il y aura la musicothérapie, et puis après, nous va faire un petit spectacle en fin d'année où les parents ils pourront voir tout ce que les enfants ont pu faire, voilà, pendant tous ces ces vacances-là. Voilà. Il y a quelque chose qui l'interpelle à moi, c'est la musicothérapie, c'est ça? Donc, c'est quoi en fait le concept? La musicothérapie, c'est faire un, je veux dire, c'est pas du théâtre, mais c'est plus la musique, et puis ça peut être soit avec les instruments, soit avec le corps. Donc, du coup, on peut faire un petit musique, taper sur le corps, taper dessus un morceau de bois, taper de machin. C'est pas un instrument, voilà, musical forcément, mais c'est pouvoir faire un petit spectacle avec le, sur la parole, tout simplement, dire des mots, des sons, des cris. Et du coup, nous l'a fait le Paul 8 mars l'année dernière avec les femmes. Et cette année, les enfants aussi de ces mamans-là, ils veulent faire aussi de la musicothérapie. Donc avec la CAF, comme nous avons un petit peu de monnaie, cette année, nous, donc, nous va permettre à nous d'offrir à ces enfants-là ces séances de musicothérapie avec Mélanie Bourrir, que personne ne connaît. Donc, du coup, il faudra peut-être aller voir un petit coup chez elle, pour, parce qu'elle est, je pense qu'elle est aussi disponible pour en parler, mieux que moi, bien sûr, de son travail. Et du coup, nous essayons de travailler avec elle et ils permettent aux dames aussi de reprendre vraiment confiance, travailler l'estime de soi. Et après, avec les enfants, si nous refait avec les enfants, c'est aussi retravailler ce lien mère-enfant, et pourquoi pas finir un spectacle mère-enfant pour l'année 2018-2019. On ne sait jamais. Alors, toute dernière question, si vous avez un message à faire passer aux femmes écoutant nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à eux? Alors, que ça m'aimerait dire aux femmes aujourd'hui, donc du coup, je veux dire à eux, ben, eux, quoi y a à partir à eux, déjà, que eux ont des droits, et qu'il y a des associations qui existent autour des autres, il faut oser en parler, oser parler à les autres camarades, que les autres camarades, ils font le lien avec les autres professionnels, et qu'il y a des personnes qui peuvent être à l'écoute. Des fois, les points forcément le bon interlocuteur, mais il faut pas rester sur un truc négatif. Il faut toujours aller vers le positif, parce qu'à un moment donné, on va voir le bout du tunnel. Parce que quand tu viens voir nous, on a l'impression d'aller au fond du gouffre et que tu verras jamais la sortie. Donc du coup, nous en tant que femmes solidaires, l'association de nous d'Azote, ben ensemble nous sera plus fort, et puis ben il faut continuer de se battre pour gagner, pour essayer de survivre surtout. Voilà. En tout cas, Pierrette, Midio, merci pour aujourd'hui. Merci Azote d'avoir invité à nous. Et Midio, peut-être à la prochaine. Oui, pourquoi pas, et avec plaisir. Auditeur, auditrice, c'était l'association Femmes Solidaires et comme invitée, Pierrette Bédache.